Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver sur un petit guide d'un puzzle, voilà, tout simplement, qui va vous permettre de farmer facilement les compos d'enchantement, parce que comme vous le savez, il y a pas mal d'encens, etc. à craft, il faut trouver pas mal de composants, et grâce à ce puzzle, ça sera très simple d'en farmer, c'est vraiment très rapide, et après on passera sur un petit guide d'enchantement directement, très court, parce que je pense que tout le monde a compris comment ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez énormément besoin d'élémentaires, que ce soit de feu, de glace, plein de choses. Il y a également besoin de plantes de rêve. Ces plantes de rêve, c'est très simple, c'est les petites plantes violettes qui y a partout sur la map. Voilà, vous pouvez pas les rater. Et le second composant que vous aurez besoin pour ces encens, c'est tout simplement la tourmaline. La tourmaline, vous pouvez en trouver sur certains gros golems ou en minant, tout simplement. Et donc, nous allons maintenant passer directement au puzzle pour voir comment récupérer ces fragments élémentaires. Pour les fragments, donc, vous vous rendez à l'horloge, en plein centre de l'horloge, vous verrez une petite fontaine avec, là, par exemple, vous voyez, c'est un cercle de feu. Ce qui veut dire que l'élémentaire de feu est apparu sur la map. Mais là, vous allez me dire, où ça, sur la map? Eh bien, regardez, j'ai fait des petits points, vous verrez des lanternes, rouge, bleu, jaune, violet, verte. Ça indique la position de l'élémentaire en question. Et comme vous voyez, les zones de recherche sont assez grandes. Des fois, j'ai dû aller très loin du poteau pour les trouver, les élémentaires, donc, chercher. Ça a pas forcément bugué, donc il est quelque part dans des grandes zones, voilà. Une fois l'élémentaire trouvé, vous déconnectez, vous vous reconnectez et l'élément aura changé. Donc là, une fois de plus, vous allez tuer l'élémentaire, là, cette fois-ci, c'est le vert. Une fois qu'il est tué, vous retournez à la fontaine, vous vous déconnectez. Et là, très bon exemple que j'ai eu pendant le tournage, ça a bugué. Il n'y a plus de flamme, donc que faire quand il n'y a plus de flamme? Dormir 7 jours, donc voilà, 7 fois 24 heures, une fois que c'est fait, vous retournez à l'horloge, et là vous êtes bon pour recommencer le cycle malheureusement, car ça aura bugué, donc il faudra refaire les 5 élémentaires. Une fois que ces 5 élémentaires seront morts, une flamme blanche apparaîtra, et vous devrez vous rendre ici sur la map, et vous voyez que tous les élémentaires seront regroupés, prêts à être tués, donc ça fait un total de 10 élémentaires tués assez rapidement, et... Donc vous avez récupéré beaucoup de composants pour vos enchantements et vous pouvez faire ça à l'infini. Pour reset, il suffit de dormir encore 7 jours et c'est reparti pour un tour. Voilà, vous faites le puzzle en boucle jusqu'à ce que vous ayez assez d'encens pour vos enchantements. Donc nous allons prendre là pour exemple l'enchantement coup du lapin, parce que j'ai pas enchanté mon pistolet de prisonnier, donc ça m'arrange. Il faut faire nord proche, est loin, sud proche, ouest loin, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris les NPELSPOL, c'est tout simplement ça. Une fois que vous avez positionné donc tous vos piliers, il vous suffit de mettre l'encens correspondant qui a écrit sur l'enchantement dans les petits piliers d'enchantement, voilà, comme ceci. Et une fois que tout ça est fait, vous mettez votre arme, vous appuyez sur T, et si le rond apparaît, c'est-à-dire que bah, vous n'avez pas raté le positionnement, et que toutes les conditions de l'enchantement sont bien remplies. Il y aura beaucoup d'enchantements, par exemple, qui demandera des conditions de nuit, des conditions d'aller dans certaines zones, pas mal de choses comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien des enchantements dans la description. En attendant, j'espère que ce petit guide farming d'enchantements vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un nouveau guide, cette fois-ci concerné à une nouvelle classe. Donc, je vais essayer de vous faire peut-être hallebarde, peut-être hunter amélioré, ou j'espère magicien, parce que j'ai vraiment envie de jouer une classe magicien OP, mais j'ai vraiment du mal à faire des builds efficaces. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.